C'est bon. Le jeu est lancé. Ah, je peux plus bouger la souris. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Attendez. Voilà, c'est bon. Donc on se retrouve sur Cyber Shadow qui est sorti fin janvier là, 2021. Un jeu fait par une seule personne, Arne Unziker. Je sais pas si ça se dit comme ça, Unziker. Édité par Yacht Club Games. Alors je dis une personne, mais il y avait peut-être d'autres personnes également, peut-être pour tester un peu les musiques ou autres, mais il a quand même fait principalement tout le jeu de lui-même, quoi. Un jeu à la façon Ninja Gaiden. Et c'est parti, je sais pas. Je sais pas s'il est allemand, hein. ouais, ça c'était mes tests. Attends, je vais l'effacer. Hop. Et on va voir ce que ça donne, quoi. Ah oui, un compositeur de musique. Alors c'est Enrique Martin surtout, mais ça a été supervisé par Jake Kaufman. Il l'a aidé. Alors, un petit drone. Je vais essayer de suivre l'histoire, mais je vous garantis rien, comme d'hab. Enfin, sans faut buter des méchants, hein, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Alors. On s'est tapé un missile nucléaire, et on est devenu un robot, là, c'est ça? On va voir. Shadow, quelle joie de te retrouver en état de fonctionnement optimal. Désolé d'avoir dû interrompre ta récupération, mais notre mission a pris une tournure urgente. Notre maîtresse a désespérément besoin de ton aide. Beaucoup de choses se sont produites depuis l'explosion, je t'expliquerai tout cela en cours de route. Ça va niveau son? Normalement ça devrait être bon. Ah putain, le son tout à l'heure de Bloodstained, ça devait être vachement plus fort quand j'avais fait le jeu principal. Merde, j'y ai pas pensé. Je m'appelle Légion, en fait, je suis l'assistant de notre maîtresse. Ouais, ça fait assez Metroid, c'est clair. Alors, attendez, je vous lis, j'ai vu ce jeu, beaucoup de références dans ce jeu. Ouais, c'est clair, j'ai passé les deux tiers du jeu, je dirais, pour l'instant ça se passe bien. Je m'amuse moins que The Messenger. Ouais, il y a des risques. Ah oui, là, ça fait très Ninja Gaiden. Hein ? Privation d'essence, t'as affaibli. Tes systèmes vitaux ne pourront pas supporter cela bien longtemps. Shadow, tout en est compté. Pour ne rien arranger, je suis quasiment sûr que ton réveil a dû alerter le docteur Progen. Alors ça, c'est le méchant. Progen? Progen? Je sais pas. Nous ne devrions pas rester ici. Alors ça, c'est... Imagine les sauvegardes, les points de sauvegarde. Chambre de stase désactivée. Chambre de stase sécurisée compromise. Alors j'ai fait un petit peu le début avant, même avant les tests. J'avais testé un peu. C'était surtout pour voir, parce que Tudju avait des soucis sur un certain niveau où ça ramait à mort et il fallait que je vois si ça faisait pareil chez moi. Sujet bêta libéré. D'un état, santé critique, niveau essence 37%. Donc je sais pas, j'avais peut-être fait un ou deux stages, je sais plus jusqu'où ça allait, mais... C'était pas très loin non plus, quoi. Donc il y a des switches pour ouvrir des portes. Alors il n'y a pas de double saut, il y a juste un bouton de saut là, un bouton d'attaque, et on peut pas s'accroupir. C'est un truc que beaucoup de monde n'a pas apprécié et c'est vrai que ça, c'est un peu dommage, quoi. D'accord, Bloodstained ça n'a pas choqué. Bon, c'est bon alors. Le son est bon. Ninja Gaiden pour l'instant, ouais. C'est un peu définir. C'est facile de totor avec des petits détails qui rajoutent une bonne dose de frustration. Les tours géothermiques. Ah oui, donc les deux premiers niveaux. Il n'y a vraiment que les deux premiers niveaux qui ramaient chez toi. C'est quand même bizarre. Hein. Non mais ça a été patché, peut-être entre temps. Ah. Ah, les musiques sont sympas normalement, on va bien voir. Alors ça, je m'étais posé la question. La flèche à droite, c'est quoi ça? C'est pour m'indiquer où aller? Ah, putain.
C'est quand même assez linéaire comme jeu normalement, non? Je sais pas si ça fait mal la fumée. Ah oui, ça fait mal, ok. Donc j'ai une barre de vie en haut à gauche avec une barre SP pour instant vide qui sera utilisée pour des attaques spéciales. Il y a de la monnaie où je vais sans doute dépenser ça dans un magasin. La musique est cool quand même. On sentira presque même du Jake Kaufman derrière. Merde. Je fasse gaffe parce que la vie est précieuse dans ce jeu, quoi. Ah bah voilà. Ces trucs rouges là, c'est marqué. D'ailleurs, je peux pas en récupérer plus. C'est pour la santé. Oula. Très bien. Je vais penser à ton sens d'orientation. Bon, enfin là, c'est du troll quand même. Ah merde, c'est mon pote. On peut le tuer? Docteur Progen a emprisonné tous les membres de notre clan pour siphonner leur puissance. On peut le tuer? Je sais pas, il a pris un dégât, quoi. Nous t'avons atteint de justesse, oui. Heureusement qu'ils ne t'ont pas eu, toi aussi. Un de nos quatre compagnons est proche, mais il s'affaiblit, va vite les retrouver. Ah putain, ouais, mais... Non, bon. Oh merde! Attends, le journal 8801B, présenter la mission et aspirer à survie... Absorber la survie. Alors donner corrompu. Non mais il va revivre. Faut que je recommence. Non mais il revient ou pas? Ah tu crois? Ah ouais non, j'aimerais pas un mode hyper hard là. Ah putain, attends, ça me fait peur, ouais, non, t'as raison. Bon, désolé, hein, je vais aller vite. Bon, remarque, mode normal. Attends, il... Ah bah c'est bon, là. J'ai pas dans le doute. Bon, il est butable, en tout cas. Je sais bien que je suis bourrin, mais quand même, quoi. Je pensais qu'il allait se défendre ou se barrer, quoi. Non, non, il se laisse buter, quoi. Ouais, en plus, ça se trouve, je saurais plus où aller après, parce que c'est lui qui doit mettre les flèches, quoi. J'en ai besoin, quoi. Ah, attends, c'est le bordel. J'espère qu'il revient, mais normalement oui. Ouais, c'est bon. Je lui parle pour faire plaisir, c'est bon. Ah, faudrait voir son net quand même. Hein. Qu'est-ce que ça fait quand tu le butes? Est-ce qu'il revient, quoi? Bah, je pense qu'il revient quand même. Ah! Donc là, j'ai chopé. Alors, oui, ça, je m'en rappelle. Ces tourelles-là, quand on les bute une fois, ça se retourne. Pour une deuxième tourelle, et après, ça. C'est mort définitivement, quoi. Genre là, hop. Voilà. Après, je suis pas obligé d'attendre non plus. Sans aussi le petit côté Shovel Knight, je sais pas pourquoi. Sans doute la musique. Simplement aussi. Peut-être prendre quand même le pognon, hein. Je pense qu'on aurait besoin. Les secrets là, ouais. Est-ce que c'est bourré de secrets ce jeu? Est-ce qu'il faut taper un peu partout pour trouver des choses? Oh merde, le con, putain, il tire assez vite, c'est quoi ça? Il y a des secrets, d'accord. J'espère que c'est pas trop tordu. Faut vraiment taper tout le temps partout, quoi. Oh putain, il est apparu d'où lui? Là il y en a un, voilà. Enfin, je sais pas si c'est un secret. Quoi? D'accord.
Ah, on peut arrêter les tirs. Ça, c'est des trucs, des extensions de vie, là, si on en chope 3. On dirait qu'il y a un truc, là. Ouais, bref. Un petit côté Metroidvania. Ah, j'espère pas trop pousser non plus. Là, j'étais plus en mode... mode bourrin en avance, quoi. Ah, elle est cool, hein. Franchement, j'aime bien la musique. Pour l'instant, ça va, mais je pense que comme beaucoup de streamers, je vais rager à un moment donné. Hein. Voilà, j'ai fait le bourrin, mais c'est pas grave. Ah, mais quel con, ouais. C'est vrai que ça revient après. Il y a une tourelle, là. Non ? Ah, il y en avait une. Ça passe, ça ? Ouais, c'est bon. À travers vous. Non, je suis pas sauté. Attends, doucement, là il y a un truc. Ah, ça accélère ces saloperies hein, quand ça te voit. Ah, là, faut aller en haut apparemment. Ah, c'est marrant, on dirait qu'on peut passer derrière le décor parfois. Non, mais je peux rien faire d'autre. Hein. Ah putain. J'ai oublié que c'est... Il y avait ce boss là. Il me fait penser un peu à Contra, je sais pas pourquoi, le boss en hauteur. Ah merde, d'accord. Smatcher. Il y avait sa vie en haut à droite. Se barrer quand même. Ça m'a fait monter. J'ai une barre de vie de plus là. Et puis on enchaîne là, allez. Alors je sais pas si c'était une ref à Contra. Enfin, moi ça m'a fait penser à ça. Bon bah voilà. C'est peut-être ça ton côté Metroidvania. C'est que là, faut un certain pouvoir. Pour différentes actions. Ah cool. Ouais, bah, genre pour ouvrir ça, quoi. Alors là où je m'étais arrêté, enfin, je me rappelle plus trop, c'était avec des mouches partout. Mais... Enfin, là où ça ramait chez toi, donc tu sauras me dire. Putain, merde. Non, c'est bon. Ah, oui, c'est. Heureusement que c'est fragile. Hein. Oh non, pas les moustiques. Hein. Non. J'en ai eu assez, là, ce soir. Commencer à farmer ça. Merde, deux coups. Ah, très bien, on peut faire bas et saut pour descendre d'une plateforme. Merde. Hop. Je sais pas si je peux rater ces tirs. Attends. Même de l'argent là. Non, pas ces tirs là, pardon. Musique plus calme là. Mais en fait là, si j'ai pas besoin de shooter la tourelle, là, si ça reste planqué, ça va pas m'agresser quoi, ça va pas s'ouvrir d'un coup. On va voir. Hein. Sauf si ça m'attaque en fourbe dans le dos. On n'est pas obligé. Hein. Ça donne que des bonus. Ah! Ah oui, c'est vrai que ça donne de l'argent. Tiens, petit secret là. Plus compliqué là déjà. Je peux pas arrêter. Putain, mais je passe à travers le tir de bas quoi. Ça apparaît plus là, les bestioles en bas à droite là. C'était limité ces trucs là. Ça c'est un deuxième. C'est un deuxième je sais pas quoi là.
Ah d'accord, même si Légion est détruit ou désactivé, il réapparaît mystérieusement peu de temps après. Ok, alors je vais pouvoir m'amuser à le buter alors. Merci, merci de l'info. Putain, mais ça veut dire que... C'est-à-dire que personne ne l'avait buté, enfin, des streamers qu'on suit, que ce soit Winyard ou d'autres, personne s'est amusé à le buter, quoi. Ah, j'ai vraiment un problème, quoi. Bon, là, j'ai pris... Ah non, ça va. Je pensais que j'avais pris plus de dégâts que ça. Tomber, la flemme d'attendre. Ça, putain, c'est... j'ai l'impression qu'il y a quand même de la vie assez souvent. Alors ça va être le début. Hein. Non mais je crois que la difficulté quand même c'est que plus tard, on va se prendre des dégâts de fou quoi, surtout. On va perdre énormément de vie. Ça j'avais vu ça par contre sur... chez quelqu'un, je sais plus si c'était chez Burnito, je crois que c'était chez lui. Il prenait des dégâts mais monstrueux quoi. Genre ça sert plus à rien la barre de vie quoi, tu te prends deux coups t'es mort quoi. C'est quoi ça déjà? C'est pas un truc qui va me courser ça? Ah. Attends si ça me dit quelque chose ça. Donc c'était encore un peu après quoi. Ah si c'était Iron Man là non? Avec des pièges qui étaient one shot et des checkpoints lointains. Ah putain, ouais, c'est ça quoi. Ça devait être ça quoi. Les... Putain, j'ai plus qu'un point de vie quoi. Ah, mon pote. Il a pas l'air en forme, Shadow. Ton état est en train d'empirer. J'espère que tu te stabiliseras bientôt. Nous ne pouvons pas nous permettre de te perdre. Notre maîtresse a besoin de toi au meilleur de ta forme. Bah merci. Allez, donne-moi l'argent. Ah, mais il donne rien. La gratuité, quoi. Shadow, toujours aussi pathétique. Par quel miracle as-tu donc réussi à survivre? Mais qu'importe, sans tes pouvoirs, tu te fondras bientôt dans l'étau. À moins que la seule chose qui t'attende ne soit le néant éternel. Voilà, Iron Man, ça je m'en rappelle. Appariteur. Putain. Je sais plus ce qu'il fait, je crois que c'était... C'était assez simple de souvenir. Enfin, une fois qu'on connaît les patterns, quoi. Il fait un truc chargé, oui, court en même temps, ouais, c'est ça. Donc lui, il a deux barres de vie. Qui était un peu plus rapide là, mais bon. Une victoire sans honneur ne peut être considérée comme une véritable victoire. Je ne sais ce que notre maîtresse a pu voir en toi, mais ce n'était sûrement pas du cran. Même les recrues de notre clan avaient au moins la décence de ne pas attaquer dans le dos. Bon, ça va, j'étais en face là. La prochaine fois, je te réduirai en pièces et j'irai moi-même offrir ton essence au docteur Progène. Tout le monde l'a first try celui-là. Tout le monde, vraiment? Tout notre clan a été capturé. Je suis fichu, mais il reste peut-être encore un espoir pour les autres. Mon pouvoir pourra peut-être t'aider, mais s'il ne vaut pas grand-chose... Même s'il ne vaut pas grand-chose... Ah, ça y est, on va peut-être avoir quelque chose. Ce que t'as vu en live, oui. Non, mais je pense qu'il y en a plein qui le passent, il n'y a pas de souci, mais... Pour certaines personnes, je pense qu'il y a plus de mal, quoi. Shuriken, ah bah voilà, ça c'est ninja ça. Hop, donc ça utilise le SP. Ok, super. Je meurs dessus pour pouvoir réécouter la musique. Ah, ça, c'est pas mal l'excuse. Salut Yangus.
Ah putain, merde, les spé se recharge pas. Ah merde. J'ai tout consommé là. Alors, chapitre 2, le complexe de traitement. Alors, fais voir. Ah oui, il y a un petit pourcentage aussi. Ça permet de voir si on a fait toute la map. Donc, oui, là, il y a un petit côté Metroidvania, effectivement. Chapitre 3, 4. Putain, il y en a combien de chapitres? Attends, comment on passe de 4 à 9 là direct? Hein? Soit. Donc, il y a 10 chapitres en tout. Complexe de traitement. Alors, je sais pas si on fait vraiment le chemin qui nous indique là. C'est l'Anstimote. Ah, je crois qu'il y avait une plateforme. Et j'ai regagné de l'SP en faisant ça, non? Ah non, c'est le truc que j'ai chopé là. C'est ça. Attends, what the fuck, comment je passe ça moi? Ah bah attends, ça? Ok, ouais. Enfin, utiliser les shurikens pour les interrupteurs, quoi. Même genre de chemin que sur Little Samson. Celui qui tournait en rond sur un map, ouais. Le gars qui arrivait pas à aller, qui se paumait à chaque fois, quoi. Alors, je crois que je l'avais fait un peu celui-là aussi, ce niveau. En fait, je suis vraiment allé à l'endroit où il y a les mouches, quoi. Après, je m'étais arrêté. C'était vraiment pour vérifier ce qui n'allait pas. C'était un peu après encore. Ah, attends. Ça, par contre, je l'avais pas chopé, ça. Hop! Ça, je l'avais pas pris, ça. C'est quoi? Ah, ça a augmenté ma barre d'SP, j'ai l'impression. De nullité. Ah, bah voilà, des mouches. C'était ça. Je crois que c'est par là que je me suis arrêté, hein. Quand j'ai vu que ça ramait pas. C'est là que je te l'ai dit, quoi, que j'avais pas de soucis, quoi. Je sais pas si je suis allé jusqu'au boss, hein. Je me suis pas arrêté quand même en plein niveau. Ah putain, merde, mais ça tue, ça aussi. Ah ouais, d'accord, non, mais il va falloir que je fasse gaffe, quoi. Ah, le con. Oh, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs qui one-shot, quoi. Les avoir dans le dos. Je vais pas tester là, non, y a pas de secret. Est-ce que ça a sauvegardé ce que j'ai récupéré? Oui. En fait, il y a des cocons là. Faudrait mieux pas éclater, quoi, si on veut pas être emmerdé par les mouches. C'est même de la saleté, quoi. J'ai failli tomber encore dans le truc là, qui one shot. Ah mais j'ai plus qu'un point de vie. Ah bah c'est bien. Peut-être que je me calme là un peu. Alors c'est quoi ça? Non, comment ça s'utilise ça? Ah non, d'accord, c'est mon épée qui est juste... qui a une arme plus grande. Merde. Peut-être éviter. Ah ouais, mais attends, avec ma portée de ouf là. Merde. Faut que je fasse gaffe à ma santé. Tiens, j'arrête pas de crever là. C'est quoi ça? Ok, les upgrades d'armes. Ça, je l'avais pas eu ça. Oh, je joue un peu trop bourrin quand même. Faut que je fasse gaffe. Je pense qu'il y a des ennemis qui font vraiment de gros dégâts, quoi. Patient aussi. Non mais putain, j'ai dit qu'il fallait arrêter ça. Bon, à part ceux-là qui me foncent dessus, quoi, je suis obligé. Voilà, c'est mieux.
c'était quoi? C'est juste du fric? Ah non, c'était bon, justement mon sabre. Par contre, il y a trois petites barres à gauche là du sabre. C'est le nombre d'utilisation. Vas-y. Ou alors il y a un coup chargé. Ah putain, heureusement que ça tue pas les caisses. Putain, ouais, mais j'ai trop de portée là avec. Putain, mais j'ai voulu me retourner, ça a pas voulu là encore. Ah, tu te perds une petite barre quand tu te fais toucher. Ah, mais d'accord. Mais ça se recharge quand je vais là? Non, forcément, non. Alors, faut toujours aller à droite, apparemment. Non, mais sans déconner. C'est vraiment ça, là, cette flèche? C'est pour te dire dans quelle direction aller? Non, mais c'est ça doit être un peu plus labyrinthique plus tard. Sinon, c'est quand même con, quoi. Merde, quel con. Ok, d'accord. Tu sais quoi? Voilà. Quand on est d'accord, c'est des checkpoints ça. Si je meurs, j'atterris là. C'est vrai que là-dessus c'est bien. Ouais, donc là je l'ai paumé l'arme. Tout buté quand même. Ouais, ça... Oh, putain, merde, c'est. C'est un nid de frelon ça. Que je me calme quand même. Putain, mais je tape pas dedans là. Ok. Ouais, là ça me dit rien là. Je pense que c'est là que je m'étais arrêté, hein. Enfin avant ça même. Oh putain! Ah d'accord, ça va être bien ça. Bon, je pose pas la question. Ça one shot ça. Saute. Non, non, laisse tomber. Ah, ça tue pas les ennemis en un coup quoi. Ça te heal, c'est vrai? Ouais, c'était un peu gourmand, mais bon. En même temps, j'allais laisser ça là. Hop! Quoi? J'ai foiré mon retour. Bien joué. Oh là là. C'est honteux ce qui s'est passé là. Ça heal pas du tout, hein. Il m'a dit des conneries là encore. Parce que quand même, hein. Je sais pas si ça t'arrête net dans le saut si tu t'en prends un. Les conseils du tutu, ouais. Putain, mais. Je vois un ennemi, je fonce dessus, forcément, quoi. Sauf que bon, j'ai pas prévu qu'il y avait le laser, quoi. Bon, c'est un jeu où faut être patient. Pas là, ouais. Ouais, bien joué ça. Non, non, faites pas tomber. Putain, saloperie, restez bien là. J'ai failli faire la même. Hein. C'est une entrée ça? Non, c'est même pas une entrée. Secret ça. Bon là on peut remonter apparemment. Ah, tant pis.
je bourrine. Je suis raté, mais c'est pas grave. Tiens, si je reste là. Ouais, putain, il bombarde. Ok, retourne-toi. Putain, il a bien explosé. Ah, mon pote. J'ai un peu bidouillé les capsules de service. Nous devrions avoir accès à de nouvelles fonctions à présent. Certaines auront tout de même besoin d'une décharge d'essence pour fonctionner correctement. J'ai partiellement activé celle-ci, mais tu vas devoir en rajouter encore un peu. Une fois que la fonction est activée, elle le reste et peut être utilisée autant de fois que tu le souhaites. Ouais, ouais, tu m'étonnes que... Ça aurait été con. Alors. Récupération esprit. Réparation automatique. Mangie l'âme. Pourquoi ça bouge... Ah non, d'accord. Réparation automatique de quoi? C'est quoi ça? La santé? Ça c'est pour OK le SP, mais ça c'est pour les HP? Mais attends, je suis pas un point de sauvegarde là? Ah non, bah si! Ah mais je croyais que je récupérais l'HP moi en allant là. Pas du tout en fait. Bon, hein, on s'en fout. Par contre, je vais prendre ça là, mon gilame. Voilà, ça j'ai la super épée. Ça coûte pas hyper cher. Vu que j'ai pas mal farmé. Mais j'imagine que ça va augmenter au fur et à mesure des niveaux. J'achète que le HP. Ah d'accord. Bon là, 1, c'est bon. Oh merde, putain, remarque, il y a un boss. Qu'est-ce que c'est? Comment il s'appelle? Laser Brain. Non, non, attends, pète pas tout. Putain, ça tire où? Ah d'accord, faut suivre les... On voit les tourelles. Ouf. Ah. Ça revient ça? Attends, on va voir. Non. Oh le con. Ok. Merci. Secret là? Non. Regarde par exemple assez de pognon pour constamment tout acheter. Quoi, quel bonus? Ah putain, oui, ça lâche un bonus à chaque fois. Putain, ouais, mais. Je suis pas habitué à ça, moi. Ah, remarque. Ah, bah voilà pour farmer. Ça, c'est pour Massa. Voilà, si Massa est dans le coin. Le spot à farm là pendant une heure. Bon bah merci hein, parce que ouais, j'allais complètement zapper quoi. Ah ça ratait bien, jusqu'à la fin du jeu avec 2-3 HP. Putain mais t'es super haut là, descends. Allez, voilà. Voilà, la flèche aurait été bien. Attends. Si ça marche, ouais. Ah, ça m'en fait 3 là, c'est quoi là? Ah, c'est un HP de plus. Est-ce que ça serait un autre truc, genre un méga power up? C'est quoi? Mais on dirait que c'est des portes ça, mais non. Ah merde, putain oui, ça c'est des cocons. En tout cas c'est agréable hein. C'est vraiment... ça répond super bien au niveau de la maniabilité. Attends, petite save là. Waouh. Ça me plaît bien quoi. Putain mais... Pourquoi ça va tout le temps à l'opposé de où je veux tirer quoi? Frustrant ça. Merde, ah, reviens. Attends, dégage toi. Ah oui d'accord, ils sont là pour donner...
de l'SP. C'est plus fluide que chez toi. C'est possible. Putain, par contre... Ah oui, non, d'accord, j'ai pas vu. Et là, c'est pour le SP, ça. Ça sert à quoi là tous ces trucs là, c'est pour se barrer là. Putain, je sais pas, il y a des pics en bas, je m'en rappelle plus. Oui, il y en a. Très bien. Bah écoute, je vais rien prendre là. Pourquoi il y a récupération à l'esprit alors que je suis à fond? Là, j'ai activé. Pas monter la flèche, non, à droite. Merci, la flèche. Ah, petit passage ascenseur là. Merde, putain, y a ces merdes là. Putain, cassez-vous. C'est vrai qu'on peut pas se baisser. Putain. Vite. Faut que je prenne les pics, hein, non plus. On peut faire ça. Gage. Je sais pas si ça one shot. Merde. Oh, j'ai pris les pics. Je sais pas si ça one shot les lasers. Ouais, c'est clair, non mais il est sympa quoi. Après faut voir hein, par la suite, hein, parce que c'est vrai que je me méfie de la difficulté. Putain, mais je suis obligé là. J'ai trop peur que les lasers me tuent en un coup. Là. Quoi? Pourquoi j'ai pris un recul comme ça? Retourner, c'est pas retourner. Putain, j'ai des soucis. Je pense pas que c'est la manette, hein. C'est mon cerveau, quoi. Ah, bon, ça one shot pas, donc c'est bon. D'accord. D'accord. Putain. En plus, je suis aveugle. Putain, je joue mal là. Je comprends pas ce recul là. Je me prends rien, quoi. Bon, j'ai raté de le buter, quoi. Je suis imprécis, hein, je le sens, mais ça vient pas du jeu, hein, c'est vraiment moi qui joue mal là. Oh là là, ah non, je fais de la merde, là, je suis dans un cycle de merde là. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir, hein, ça met un petit temps. Il faut se laisser porter. Faire gaffe à ces pics là. Oh putain. Ils sont sur les côtés là. Horrible ça. Merde, faut aller où là? En haut à droite? Là il y a un truc là. Pourquoi je peux pas y aller? Réparation automatique, il n'y a que ça maintenant ici. C'est vrai qu'il est quand même allé une fois retourner volontairement péter le laser qu'il a trouvé deux fois de suite. Ah moi je bute tout quoi, enfin bon là je sais pas si j'ai réussi mais... Ok, ça c'est bien.
Putain, je vois pas les coupons, putain. Je suis aveugle. C'est nouveau ça. Putain non. Peut-être, ouais, y a peut-être des doubles sauts ou... Y'a un laser là au-dessus de moi là. Espèce de flash là-haut. C'était... Putain, ça va pas tuer ça. Putain, ça va loin ce truc. Non! Oh putain. Oui, crève. Nickel. Bon, on les voit quand même les secrets. Hein. Ça. Ça tant pis. Ah d'accord, j'avais pas vu que ça chutait là-haut. Putain, je fais de la merde. Voilà. Et en fait, tu te joues, J'ai terminé The Room 4, ça y est. C'était rapide. Mais il est très très bon. Quoi, c'est pas assez? Ouais, ouais, bah... Tout 4h30. Mais il est vraiment, vraiment bien, quoi. J'ai vraiment beaucoup accroché. Les gars, je sais pas comment ils font quand même encore pour renouveler. Bon, je suis obligé de... Putain, attends, c'est casse-couille là. Mais attends, comment tu fais là? Je comprends pas là, attends. Parce que c'est pas assez haut, t'es obligé de... Je comprends pas. C'est bon. Ah non, ouais, j'y avais pas mal joué hier et je continue de l'après-midi. Après 3 ans pour le mettre sur le PC, oui, mais... je pense qu'ils ont fait une version HD, hein. Je suis pas sûr que sur mobile ça soit aussi beau, quoi. Bon, c'est quoi le plan là? Non, c'est pas encore là. Ah oui, non, il y a encore ça à passer là. Bien joué. Putain. Allez, c'est bon. J'ai tout pris de la gueule. Ça tombe direct, je comprends pas. Alors qu'il y a un timing là. Alors cet endroit de mort là. Putain. S'il te plaît. Ah voilà. Là c'est bien synchro là. C'était mieux. Ah là c'est plus cher déjà. Mais y'a que ça là, y'a que le longilame. Non, on va débloquer d'autres trucs ça, j'imagine. Esprit 50. Ouais, je sais pas, j'ai la flemme. Ah c'est un pote ça, attends.
Gardien de l'équilibre, les serviteurs du dragon éternel, notre clan immémorial. Merci pour ceux qui nous avions confiance, trahis par l'un des nôtres. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cela quand n'avons-nous rien vu venir? On parle à leur âme. Bah, direct j'attaque, hein. Je cherche même pas. Il y a eu une alerte, mais je verrai après. Après ma mort. Oh, aïe, aïe. Non, mais putain, je le suivais. Salut Megavolt, comment ça va? Et salut Monsieur Coco, 82, bienvenue. Ah bah tu m'as fait un raid, c'était ça. Ah, merci pour le raid. Tu vas bien? Ah merde putain, il me faut un shuriken. Un garlic phone, ah, c'est le truc du moment ça. Ah, c'est quoi ça par contre? J'ai vu ces patterns. D'accord, petite flamme. Plein la gueule. Allez, passe! Oh putain! Pile poil sur moi, quoi! Je suis sûr que c'est au hasard ce truc. Putain, je suis enrhumé, quoi. Ça m'emmerde. Je fais n'importe quoi, mais. Synchro de merde. Hein. Allez, c'est bon. Enfin, peut-être. Je sais pas. Non, c'était pas bon. Ah, putain, j'ai... Excusez-moi, mais... Quoi cette merde? Excellent! Merde, il s'est barré! C'est mort? Ah merde, fallait le buter! Bah merci, mais je crois que je suis foiré là, non? J'ai pas mon bonus! C'est pas ton jeu, on dirait le boss difficile du premier Megaman. Oui, c'est vrai que j'y ai pensé. Yellow Devil. Ah bah je sais pas, je pensais qu'il allait me tuer ou. Je l'ai évité, mais je pensais pas qu'il allait fuir. Ah, Power Rangers. L'explosion du réacteur a tué la majeure partie des membres de notre clan et les autres ont été capturés par des synthétiques. Ils ont drainé toute ma puissance afin d'augmenter la leur. Notre maîtresse doit être libérée avant que tout ne soit perdu. J'ai pas oublié. C'était barré aussi, quoi. Donc shuriken ou attaque au sol. Attends, c'est au choix ou on a les deux? On a peut-être les deux. Ah d'accord, attaque au sol mais on tire en l'air quoi. Et alors, merde putain, à chaque fois. Le garlic phone, ça s'est bien passé, Megavolt? Enfin un moment pour souffler. Bon, je crois qu'il est temps de te mettre au jus. En arrivant en Mecha City, tu pourras remarquer que des choses ont changé, et pas en mieux. Voyons par où commencer. Tu connaissais le Dr. Progen comme l'un des plus brillants esprits de Mecha City. Putain, c'est Dr. Willy, quoi. Il a entre autres conçu des machines capables de fonctionner de manière totalement autonome. Des humanoïdes synthétiques. Ces derniers ont été employés comme ouvriers, comme policiers, comme domestiques, et j'en passe.
Mais Cassidy était prospère et en sécurité, et notre clan était consacré corps et âme à la préservation de cette paix. Notre implication était totale, les missions d'élimination de synthétiques souffrant de dysfonctionnement furent menées en secret. Mais un jour, notre maîtresse fut victime d'un malencontreux accident. Grièvement blessée, sa vie ne tenait qu'à un fil. Désespéré, le docteur Progen tenta par tous les moyens de sauver notre maîtresse, mais d'étranges rumeurs se mirent alors à circuler. Il était question d'expérience contre nature, de disparition, et notre clan commença à se disloquer. Et puis il y eut l'explosion, la ville fut entièrement rasée. Suite à cette destruction, toutes les machines commencèrent à perdre la tête. Et le docteur Progen, rendu fou par le chagrin, se mit à changer de manière radicale. C'est lui là ? Il est devenu robot comme ça ? Putain, on dirait Freezer quoi. Désormais, son armée de synthétiques traque les survivants à travers ce qui reste de Mecha City. La situation est désespérée. Nous avons réussi de justesse à te sauver, mais tout ce qui compte à présent, c'est de trouver et de libérer notre maîtresse. Si tu échoues, Mecha City ne sera qu'un début, la destruction continuera de se propager. Merci. On était quatre, mais c'était drôle, j'ai mis quelques-uns de nos dessins sur le partage de mon serveur Discord. Ah, ça peut être marrant à voir ça. Alors faut être bon en dessin quand même. Ouais, c'est le truc de MV là. C'est vrai que c'est rigolo. J'ai vu un épisode, finalement c'est quand même rigolo. Ça devient vraiment n'importe quoi à la fin. Alors les ruines de Mecha City. Et quoi, ça serait le troisième stage là ? J'essaie de faire celui-là, puis après je verrai si je continue ou si je passe sur à la suite. 80%. 3 stages, ouais. Je sais pas, on verra quoi. Ça se trouve, je vais en chier comme pas possible et ça me suffira quoi. Ouais, surtout si j'arrive pas à faire les sauts là déjà. Allez. Ah, mais tu me suis, toi ? D'accord. C'est au prix là d'ennemis. Toi tu me suis verticalement. Oh merde putain, ah ça c'est cool ça. Mais c'est quoi ces trucs là avec on dirait qu'on peut passer mais non. On va pouvoir. Ah, pognon. Putain, on dirait une musique de Punch Out. Et d'être stoppé là au premier live, d'accord. À la fin de ce stage. Ou au début. Ça fait trop Punch Out quoi. Par contre c'est le bon chemin là ou pas? Attends, ouais. C'est mieux. Ah merde, j'ai pas eu de checkpoint, d'accord. Je pensais que j'en avais eu un au-dessus. Il n'y avait pas un passage en haut à droite? Ah si, mais je peux pas ouvrir ça. Oh putain, ouais. Voilà ça, sur Amstrad, là, ça serait pas aussi fluide. Hein. J'ai X4000 encore, et encore, je suis pas sûr. Non, pas aussi fluide. De toute façon, pas aussi fluide, mais plus jouable. Mais lâchez-moi là! Ça se bute pas, ça? Bon, j'en sais rien, j'avance. Merde, quel con, j'ai fait le bail. Ah oui, il va falloir que je fasse gaffe à ça là. Bon, ça c'est Miralam. Ouais, c'est pour voir. C'est un truc qui tourne toujours comme ça là. D'accord, non. Ah, c'est Rigard. Enfin, Rigard, si on veut quoi. Ça me perturbe quand même.
pour les épisodes du soir, je suis en retard comme d'habitude. Bah en tout cas, merci d'être passé, merci pour ton raid. Et puis à très bientôt, j'espère. Merci bien, bonne soirée. Je peux pas aller au-dessus. Putain, mais le truc, il s'excite tout seul, quoi. C'est quoi ce truc? Putain, c'est comme la boule de Guppy dans Isaac, quoi. Ouais, voilà, faut trouver le rythme. C'est pas une plateforme, ça. Hop. Alors, je sais pas, est-ce que à droite il y avait. Bon, il y a des petits bonus là, mais est-ce qu'il y avait un gros truc sympa? Parce que c'est plus ces casse-couilles là pour y aller. Ah putain! Ok, super. Bon, tant pis, hein. Ah, c'est la suite. D'accord. Ah, la flèche me disait en haut. Je cherchais le bonus, alors. Ah oui. Ah, ça se voit bien, hein. Putain. La vache. Il y avait un truc examiné, je crois, juste là, là, non? Ouais. Quiconque découvrira ceci, ce cinglé de Progen a tué l'un des nôtres au cours d'une expérience. Tout ce qui reste de l'essence de notre ami a été enfermé dans ce conteneur. Ma mission pour le récupérer a réussi. Mais si je venais à périr, ramenez-le à tout prix à notre maîtresse. Si en fait tout ce qui scintille, c'est des âmes ou autre. Je n'ai même pas terminé la formation et pourtant me voici gisant ici, brisé. Mon essence arrivera-t-elle à rejoindre l'éthos? Ou bien se dissipera-t-elle dans le néant? Je suis totalement démuni, donc je ne tarderai pas à le découvrir. Ah, attends, mais on peut shooter dans la boule? Ah, d'accord. Ah ouais, c'est stylé en fait. Si tu le gères bien, ça peut être efficace. Oula. Merde, quel con. Alors attends. Merde, mais comment je fais là? Ça passe ça? Oui. Pète bien le truc rouge, voilà. Oh, vas-y, on fonce. Quel enfer. Ah, tu l'as pas acheté? Ah oui, c'est vrai que c'est un yo-yo, plutôt. Ah, c'est pas mal. On teste, quoi. Donc, à gauche. Attends, mais on peut pas reprendre les autres, sinon? Ouais, il t'impose l'arme, quoi. Ah, oh, putain, bah super, trollé. Attends, je vais reprendre la vie. Ah non, mais ça redonne pas. Bah si, là ça redonne de la vie. Putain, je comprends rien. Tout à l'heure, fallait acheter, et là, maintenant, non. Attends, merde, j'ai perdu le yo-yo. Rip. Putain. Mais merde, je fais bas et attaque, comme si je voulais attaquer. Bon, je fais n'importe quoi. C'est quoi Team Bot là au fond? Merde, les trucs achetés, tu comprendras. Ah. Ça dépend, quoi. Tu fais ça là? Yes. Ah, voilà, c'est super épais. Bien, du coup, là, t'es en train de. Il y a Winyard, j'ai vu qu'il faisait le Mega Man 2. Regardez un peu là, il s'en sort. Il va peut-être un peu moins galérer que le premier, mais c'est pas sûr, hein, parce qu'il est pas si simple non plus le 2, hein.
T'arrives à la forteresse à la fin, les espèces de murs à péter là avec Crashman. Un peu casse-couille quoi. D'accord. Après voilà, c'est que t'as des armes plus pétées dans le 2 que dans le premier, notamment l'arme de Metal Man. Faut que je trouve un checkpoint là. Un truc qui me donne de la vie. Putain, attends. Ah, il me faut une flèche là. C'est quoi, c'est un shortcut ça? Ah non. Enfin si. Si si, c'est un shortcut. Voilà. Là ça m'a redonné de la vie. Attends, mais ça c'est à dire, je l'ai acheté une fois et c'est activé pendant tout le jeu? Attends, mais c'est des trucs que t'achètes qu'une fois en fait? Parce que du coup, moi je prends ça hein, si c'est le cas quoi. Je vois même pas pourquoi t'achètes ça si après c'est infini quoi. Ça vaut pas grand chose. Qu'une fois par checkpoint. Je l'ai pas acheté à ce checkpoint. Ça je comprends pas. Ah bon? Bah, réparation automatique, j'ai acheté ça. Ah d'accord, il y en a certains où c'est activé. Leur leader contrôle une arme qui flotte au milieu des nuages. Se déplacer à découvert revient à se mettre en danger, je dois rester caché à l'intérieur. En fait c'est un peu comme Dark Souls quand tu ravives le feu quoi. Putain, il va péter mon bonus lui. Hein? Bah ça le faisait pas ça tout à l'heure. Enfin, je vais me méfier maintenant. Quoi? Mais attends, ça marche comment ça? Ah mais c'est des mines qui pètent à proximité. D'accord. Putain, oh. Ah, puis, ah d'accord, on voit les diodes. Qui dit où est-ce qu'il va tirer quoi. L'intention de tous les civils, ceci est une transmission automatisée. La cité et les îles d'environnement environnantes sont désormais ceintes d'un périmètre de sécurité. Veuillez rejoindre les trains afin d'évacuer la zone. Okay. C'est forcément horizontal, ça bouge pas en fait. Faites pas les bonus toi. C'est encore activé. Putain. Qu'est-ce que c'est que ce tank? Quoi? Oh, cette musique. Ok, ça c'est fait. Ah, ça se pète ça. J'écoute la musique là. Maintenant il y a des vieilles guitares MIDI maintenant. Putain. C'est un sacré mélange quand même. Hein. Quand tu sautes. Putain, ça continue. C'était pas lui qui tirait ça. Je
besoin d'un checkpoint là, merde. Oh putain, faut se retaper tout là. Ah merde. Ah merde, le bonus. Mais c'était un boss ça. Il n'y avait pas de barre de vie ou autre, je me suis dit, oh, bah c'est un mini-boss, c'est bon. C'est pas vrai quoi. Putain, je m'en suis pris plein gars. Non mais au final j'en ai pas besoin. Putain, je fais le malin maintenant mais vraiment, je vais le regretter, putain merde. Oh la vache, je suis pas mort. Bon, mes amis sont prisonniers, ni vivants ni morts, dans le néant entre ici et Letos. Je dois continuer à courir, sinon je subirai la même sort. Oula. Attends, je pensais que c'était optionnel. Ah non, on a une petite cinématique de ce qu'il a subi. Ah non, mais comme quoi, faut... Même devant un mini-boss, enfin pour moi c'était un mini-boss, hein. Faut rester... jusqu'au bout, hein. Heureusement que j'étais mort. Putain, merde. Le mode parfait pour ce jeu. Ouais, c'est... Putain. Putain, mais casse-toi de là. Bon, c'est pas bien grave. J'ai fait de la merde, là, sur... Faire gaffe. C'est dommage, c'est pas réapparu, quoi. C'est, j'imagine, quoi, le... T'es bien bugué. Putain. Oh mais putain, mais tu te fais enchaîner. Ah, tu as de la vie. C'est bon. Si, il y avait de la vie là. Attends, j'ai peut-être vu le truc là. Bah non, c'était pas de la vie. Parce que j'ai vu le coffre qui scintillait. Enfin, ça fait peut-être toujours ça, remarque. Ah, mais d'accord, le laser ça pète également les caisses quoi. Je sais pas, attention. Non, ça c'est un gros coffre là. Il brille celui-là par rapport à l'autre. Ouais, donc il y a un truc spécial dedans. Putain, mais bonus, non! Quand même. C'est ce qu'il se passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est quoi ça? Allez, explose! Putain, ça te barre. Mais du coup, Totor, ça t'intéresse ce jeu parce qu'il est sorti sur PS4. Ouais. Ça pourrait t'intéresser. Alors attends, j'ai quoi là? C'est toujours le truc activé. Hein. J'ai le yo-yo. Ah, il y a... Pareil, oui, mais c'est difficile. Bah, je pensais ça, non, mais le problème c'est que c'est hyper mal dosé. Là pour l'instant ça se passe bien, mais il y a forcément un moment où ça va pas me plaire. Putain. Putain, connard. Non putain, on se recule. Ah, on se tape quand même un beau recul quoi.
Quand même, le bon truc, c'est qu'on a des vies infinies, quoi. On apparaît tout le temps au checkpoint, on perd pas de fric. Dessus, c'est quand même cool, quoi. Un petit truc, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? J'ai un gros tir qui se charge... comme ça. Il faut attendre, ok. Très bien. Les trains se sont arrêtés, personne ne pourra plus en sortir. Je crois bien que pour nous, c'est la fin. Ça passe à travers, très bien. Pas le jeu trop dur non plus, j'attends de voir la fin, je suis à mission 6 ou 7 sur 11 selon un map. Ah, faut voir, putain merde, j'ai même pas vu le viseur. Ah putain! Bon voilà, j'ai paumé le... super bonne... super option là. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il balance des grenades, putain! Les mecs... les vrais commandos quoi. J'espère qu'on va se faire le truc qui arrête pas de nous tirer les lasers. Attends, il y a un truc en bas là. J'ai peur que ce soit un trou, mais... merde, putain, quel con. Bon, de toute façon, je fasse une attaque au sol, quoi. Enfin, vraiment, en attaquant le sol. Alors, apparemment, c'est un truc qu'on va faire en haut à droite, là. Non? Un truc qui va chuter? Non, mais ça, je peux pas. J'ai pas la compétence, je pense. Salut Comenor. Je suis passé sur un stream, il y avait tellement pas de bande passante que c'était d'un flou. Ah, comment ça? C'est le gars qui streamait en mauvaise qualité ou... c'était ta connexion qui déconnait? Enfin, ça se devrait déconner là en même temps. Celui qui contrôle l'arme aérienne traque ses proies depuis le sommet de ce bâtiment. D'où il pose le regard, l'arme frappe, et nul n'est en mesure de lui échapper. Oui, oui. Ça va bien se passer. Il n'y a pas de flèche, là. Alors, je peux avoir le yo-yo. Allez. Oh putain, ça, j'espère que ça passe bien en stream, là, cette nuit. Ah putain, ouais, bah voilà, ça y est. Bid Tracker. C'est lui qui a dû m'emmerder depuis le début. J'ai essayé de faire une glissade, hein. Je me suis cru dans Bloodstain là. Ça m'a fait peur les éclairs au fond, mais non, c'est du décor. Encore, parfois ils cherchent, putain. Ouais. Savoir tout ça, quoi. Qu'est-ce que c'est? Oui. Oui. Ah, d'accord. Putain, je suis bourrin. Et là, j'ai plus d'SP, quoi. Bon, on va faire ça. On va essayer 100. Putain, merde, je regardais. Oh, super. Quoi? Il fait ça aussi? Ah si, je peux le toucher. Quoi, il est en l'air, un peu. Ouais, je vais crever, hein. Mais je la prends. Il descend assez. Putain, c'était pas assez là. Merde, c'est quand là? Ok.
juste son petit coup de sabre là que j'ai pas encore. Sans doute voir son animation. Voilà, là. Ah, merde, ah merde. Bon, voyons. Putain. Oh là! C'est la musique qui me fait marrer, je sais pas. Ça se fait épique là, je crois. Je sais pas. Je sais pas, il y a une petite sonorité midi qui me fait marrer quoi. Ah putain. Je sais pas, les guitares, ça fait super midi quoi. Attention. Ouais, je vais me concentrer. Je peux utiliser l'ESP au fait. Merde, putain. Ah oui, c'est bas. Putain, quel con. Voilà. Ça c'est con quand même. Tu fais une attaque en l'air, mais faut faire bas quoi. Où est le bonus là? Attends. Ah, deuxième. Docteur Progen vole nos pouvoirs afin d'augmenter les siens. Il cherche à accéder au secret que protège notre clan, l'Ethos. Cherche un hôtel qui t'aidera à te souvenir. On ira ça, je le prends. Merci. Mec, y'a pas de connexion avec Super Castlevania 4, t'as l'impression. De le regarder avec une feuille de calque sur l'écran. Ah putain, oui. Ouais, bah il y en a qui continuent à streamer en ADSL. Après, je leur en veux pas. Hein. Je suis passé par là également. Il fait ce qu'il peut, ou alors il a super mal paramétré son truc. Quoi. Ah, attaque en l'air, ça y est. La frappe aérienne. On va taper dans le sol. Donc je sais pas si c'est le gars qui a mal paramétré son truc ou si vraiment il a une connexion HS, quoi. L'âme aérienne traque ses proies depuis le sommet de ce bâtiment. On l'a vu, lui. Moi, je suis plus jeune du tout. Oui, on l'a vu. Attends, je suis en train de revenir là. Y'a pas de flèche. Mais oui, là, c'est le boss. Bon, c'est pas grave. Je loot. C'est là alors le. Ah, voilà, c'est là. Ah, ça rappelle Zelda 2, ça. De Dieu. On va faire gauche, il y avait quoi là? Attends, je prends le checkpoint. Hop. J'ai un doute, on y a été là? Non, la flèche est à droite. Je vais péter ce qui est à gauche, je pense que c'est un bonus. Faut faire DuckTales là? Ça marche ça? Non! Oh putain! Pire moment! D'accord. Donc il fait un petit saut avant d'enclencher quand même. Putain, faut anticiper le petit saut quoi. Ah, attends, mais il est tendu son petit saut là.
Attends, comment ça se fait là? Parce que quand tu retombes et que tu le fais. Ouais, tu vois, il fait un petit saut. Ah, il saute pas bien haut non plus, hein. Il rebondit pas. Je pense qu'il faut y aller d'un coup. Et trouver le bon moment. Ah, mais faut le refaire! Ah putain, il reste pas en pogo! Bon, 10 CC après. Ah, c'est l'enfer! Putain, et puis il refait son petit saut à la con là! Oh! Ah, cool! Fait 2, c'est quoi? Pourquoi il y a une référence là? Ah, il fait quand même son coup en l'air quand il a plus de SP. Ok, donc il y a un skate, il y a, je sais pas... Tortue Ninja, ça? Ah oui, des pizzas, là. Ouais, effectivement. Mais c'est quoi, au fond, alors? J'arrive pas à savoir. Ah, j'avais pas... Ouais, j'avais pas la référence, là. Pas cette couleur, quoi. Ouais, c'est bon. C'est maîtrisé. Il y a une espèce de totem, là, au fond. J'ai pas reconnu... Tant pis. Là, près du réacteur, c'est l'endroit où notre maîtresse a subi ses traitements. La partie du complexe qui se trouvait sous la surface semble encore intacte. Je dois mener une enquête. Attends, avant d'y aller... Merde, je peux pas annuler, là? Si je vais là, je vais au niveau suivant. Attends, c'est quoi le truc, là? Bah non, je reviens là. Je peux faire ça? Non. Ah oui, je passe de 4 à 9, ouais, donc il y a un... Non, non, faut continuer là. De toute façon, je vais continuer encore un petit peu. Pour l'instant, ça va. Et puis le jeu d'après, je ferai de toute façon une petite session. Je sens l'essence des défunts pleurer de désespoir. Je supplique de se empêcher de... Attends, je supplique? Je sais pas ce que... Ouais. De se empêcher de passer de l'autre côté, coincé entre la vie et la mort. Un appel à mettre un terme à leur exploitation, à ce qu'on laisse mourir. Hein? Pourquoi j'ai eu un éclair là? Attends. J'ai pas envie de les bousiller ceux-là. Ah merde, d'accord. Ah mais ça tire aussi, d'accord. Parce que ça je pensais. Oh mais je suis super loin là. Bah, je sais pas, je comprenais pas trop ce que c'était là. Au fond, là, de. À côté des pizzas, là. Il y avait un truc au fond et ça ressemblait à un totem, quoi. Par contre, j'aurais bien voulu avoir de l'SP, là, pour péter ça. Là. On peut nager. C'est le bon chemin, ça? Putain, ça fait Metroid, là aussi. Qu'est-ce que c'est que ça au-dessus là? Putain, où je vais là? Encore me paumer, je sens. J'ai vu le skate. Ouais, derrière le skateboard en fait, il y avait un truc. Se réveiller. Oh! Putain, mais The Messenger. Ton destin continue de chercher à te ramener vers l'éternel Détos. Putain, mais j'ai l'impression que je suis allé un peu vite, là. Il y avait une télé cathodique, mais à côté, il y avait un truc également. Mais tu n'auras ta place ni ici, ni là-bas, tant que ta mission ne sera pas achevée. Oh, bienvenue. Ta sensibilité à l'essence t'a guidé jusqu'ici. Ton don n'est pas sans évoquer celui de notre maîtresse. Tu vas devoir en faire bon usage si nous voulons espérer parvenir à restaurer l'équilibre. C'est quand même joli. Pour un petit ninja. Ceux de notre clan, les plus connectés à l'essence, sont également ceux qui subissent le plus son influence. Se laisser emporter par ses émotions, c'est ce qui a entraîné la chute de notre ami en rouge. Oula. Putain, c'est céleste ça? Attends, il y a des trucs en haut. Putain, mais c'est quoi là? C'est quoi ce dojo? Sans la maîtresse et les élémentaires, nous n'aurons peut-être pas la force de maintenir l'ordre. Là.
Attends, on va faire le tour de tout ça, puis on va voir ce que c'est que ce truc là. Attends, je peux faire ça là? Oui. C'est par ici que nos recrues sont mises à l'épreuve, tu t'en souviens, n'est-ce pas? Peut-être pourrais-tu leur montrer comment on fait. Bon, maintenant je fonce là-dedans. Ah mais on peut pas. Putain mais... Qu'est-ce que je fous là? J'ai essayé des centaines de fois, les indices énigmatiques n'aident en aucune façon. Mais je n'abandonnerai pas. Comment ça, des énigmes? Ah, j'ai un SP, c'est bon. Pourquoi ça repop ça? Atteindre le sommet avant ce singe, c'est quasiment impossible. Oh putain, je sens un défi à la con. Je suis pas encore prêt, quoi. Réalise qu'il n'y a rien auquel t'accrocher. Laisse-toi aller et le monde te portera. Je n'ai pas encore vraiment compris ce que cela signifie. Bah faut pas bouger quoi. Putain mais ça donne rien ça. Pourquoi ça repop? D'accord. Bon. Mais putain. J'ai plus vite que lui. Il y a des trucs là-dedans. C'était des sous ça. Ce défi c'est du gâteau pour ceux qui maîtrisent déjà la frappe aérienne. Super, l'outil continue quoi. Fondre sur ses lanternes. Quoi? Fondre sur ses lanternes afin de gagner de la hauteur? C'est presque de la triche. Comment ça, fondre ses lanternes? Attends, tu veux dire que ça là? Ah bah super, mon SP. Mais attends, je suis obligé d'utiliser l'SP là quand je fais cette attaque? C'est n'importe quoi. Ah, ok, alors. Bon, enfin pour l'instant, est-ce que j'en ai besoin là? Non, ça me troll là. Là. Hein? J'ai éteint les flammes. J'imagine qu'il faut que je retourne en bas. J'ai foiré le truc. Bon, faut aller plus vite quoi. Tu fais les lanternes. Comment ça? Putain, je comprends rien. Oh, putain, le saut qui s'enclenche pas. S'en fout les lanternes, je sais pas, ça m'a pas aidé. Ça m'a plus trollé qu'autre chose. Mais putain, j'ai un problème de saut. Ah putain, ça passe pas là par contre. Vite. Putain, connard, lâche-moi. Vite. C'est ça, reste là. Non. Hop, c'est bon. C'est fini ou faut... On continue là. Non, c'est bon. Putain, je me suis foiré en plus. Faire le singe. Glisser sur les murs. Ah. Ça me plaît, ça. Du wall jump. Enfin, je sais pas si on peut faire du wall jump, mais c'est bien, ça. Ah si, il y a du wall jump. Ah putain, c'est très bon ça. Attends, bah du coup, il y a peut-être un secret. Il y a pas de map. Ah, il y a pas de map. Bon, en fait, ça m'a... J'ai l'impression que ça allait m'emmerder plus qu'autre chose, le pogo, quoi. Je sais pas si je suis en train de revenir à la surface, mais j'ai pas vu ce qu'il y avait en bas à droite. Ouais, non, mais que dalle, en fait, il y avait... Putain, l'électricité dans l'eau, c'est pas le bon plan ça. Ah, c'est bon, on peut faire des trucs comme ça aussi. Ah bah du coup ça je peux le prendre. Mais c'est de la dynamite ça, c'est quoi? Alors j'ai dit à ma partenaire de continuer, je suis resté en arrière. J'ai enfin bon espoir de parvenir à m'échapper. Heureusement que nous avons suivi un entraînement dans l'art de la démolition. Les machines sont à l'entrée, je dois faire vite. Enfin, la technique des dauphins, quoi. Ça déjà, c'est pris. Je crois qu'il y a d'autres chemins, là.
Donc c'était le début, ça? C'est le début, ça? Oh, je sais plus, putain. J'ai pas de mémoire. Oui, c'est le début. Non, c'est pas le début. Mais c'est-à-dire que je pouvais aller encore à droite? Ah merde! Là, je l'ai lancé, là. Ah non, là, je peux... Putain, je sais pas, je suis paumé. Je sais pas par où je suis arrivé. Je pense que j'étais arrivé de l'étage en dessous, mais là, à droite, je peux encore... Je peux continuer, là. Ah, si je peux l'avoir. Ah merde. D'accord. Là, je suis en train de revenir, là. Ouais, ouais, non, là... C'est pas la peine. Ok, c'est bon. Bon, je vais faire le niveau suivant. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. J'y suis là. Ouais. Ok. C'est quoi, canon chargeur? C'est le truc là qui tirait des grosses salves là? Pas le bon chemin. Tu peux pas. En fait, t'es obligé d'utiliser l'SP quoi quand tu fais cette attaque. Je trouve ça con. Putain. Oh, putain, c'est bas. C'est bas et attaque. C'est vrai. Ah ok, on va allumer des orbes, enfin des switch. Étant donné qu'elle n'est pas passée dans l'éthos, elle doit être piégée quelque part. Ce complexe dispose de structures capables d'altérer le flux de l'essence. C'est peut-être ce qui la maintient cachée à nos yeux. Tu peux acheter du... Je peux pas acheter des SP. Quand ça? Allez! Ah oui! Il saute! Je sais pas si j'ai beaucoup. 462, je sais pas si ça, ça fait beaucoup d'argent. J'ai peur que les trucs coûtent 200 assez rapidement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'on est? Bon, comme... Il a plus rien. Ah, énorme. Je suis un peu passé en force. Oh putain, il y a des grosses basses là. Pas vu lui. J'ai pas trop de vie là. Oh, putain. Ah oui. Oh vas-y direct. Avec eux là. Ah.
celui-là. Oh putain, d'accord. Oh là là, ah oui, non, mais là je risque de galérer. Ça y est, c'est... Je me rappelle de ces plateformes là, ça je l'avais vu par contre sur un stream. Les plateformes dans l'eau là. Je me rappelle surtout du boss quoi. Je suis heureuse que tu aies enfin trouvé cet endroit. Cela fait si longtemps que je suis coincé ici à t'observer, je commençais vraiment à perdre espoir. Ouais ouais, je connais le boss et c'est une horreur. Notre fidèle ami Légion t'a guidé au fil de ton périple afin que nous puissions enfin être à nouveau réunis. Il a perdu son corps d'origine, mais son essence rayonne encore avec force, tout comme la tienne. Je suis prisonnière au niveau inférieur de ce complexe. Je suis impatient de te retrouver, mais sois prudent. Petit côté Samus, ouais. Te perdre à nouveau serait trop dur pour moi. Ah, tu as trouvé bidon, putain, il y en a plein qui ont trop galéré sur ce boss. Ah, je t'assure, hein. Hors de question de laisser un détail comme la mort m'empêcher d'accomplir mon devoir. Je continuerai d'obéir à la volonté de notre maîtresse comme je l'ai toujours fait. First try, perso. Ah, putain, mais oui, mais t'es un PGM, tu te jures. On peut rien. C'est très bien, quoi. Cela englobe le fait de te garder en vie, en quelque sorte. Ah, non, il y a peut-être un pouvoir à utiliser. Qui est pété contre ce boss. Sans, je vais pas me priver hein, sur les pouvoirs également. Ça sert, putain, d'accord, c'est tout électrique là. C'est mon chemin ça ou c'est le secret? Ça ressemble au bon chemin ça. Je sais pas. Parce que là si je tombe, bah, oh putain, merde. C'est le bon chemin ça? Putain, je sais pas. Des piques. Aïe! Putain, mais stop! Ok. Putain, je sais pas quel est le bon chemin là. Pas de flèches. C'est fini les flèches. Non! Sur le même ton, alors quoi, j'ai pas été insolent dans le ton. Putain, j'ai pas le timing. Prends ton temps. Saute! Putain, le truc il sautait pas. Bon, en tout cas c'était bien le secret. Bon, faut pas que je le first try. Hein. Si j'ai toute ma vie qui lui reste qu'un point de vie, faut que je fasse en sorte de crever quoi. Par accident, évidemment. Ah d'accord, on peut les bousiller après. Ou comme ça, ok. Ah putain, mais t'es obligé. Ah, mais j'ai pas envie d'utiliser mes SP là. Ça m'emmerde ça. Attention parce que vous voyez des petits pics, hein, je vois à chaque fois. Ça se protège, c'est cette connerie. Hein. Merde. Alors, l'assistante Hagan est restée là-bas, mais je dois assurer que personne n'entre ou ne sorte. Dr. Progen a ordonné que la zone soit scellée
J'ai donc posé une serrure à cyberchiffrage. Quelques cyber-sentinelles devraient pouvoir faire office de pare-feu. Bon, attends, déjà. Je vais péter ce truc là. Ça libère un truc au moins, ça? Oh oui! Oh oui, oui, oui! Parcourir tant de chemin, tout ça pour me retrouver coincé par les ordinateurs. Je n'ai jamais été très attentif pendant les cours de formation au cyberespace. Et évidemment, je ne dispose pas de système d'interfaçage sous la main. Il va donc falloir essayer à manière forte. Ça me va, ça. Oula. C'est quoi ça? Attends, c'est quoi ce plan? Ça, c'est tout glitché. Merde. Putain, mais c'est rapide, ça. C'est Metroid, là. C'est un checkpoint, ça? C'était quoi? Ça, c'est la sortie. On a tout fait, là? C'est... On est en train de pirater le truc, là, pour... Pour ouvrir l'accès, un truc comme ça. Quoi, là? Ah, quoi. Ouais, peut-être ouvert à gauche, là. Ouais, c'est ouvert, hein. C'était ça. Marrant. Marrante la phase. Approche. Ça, voilà des ennemis sympas quoi. Pas aussi chiantes que les moustiques dans Lost State. Ils viennent te voir. Ah, t'as pas besoin de refaire en plus. Ouais, tant mieux. Franchement, je le trouve bien. Je m'amuse toujours là. Tout vraiment bon. J'attends vraiment le moment où ça va être infect. Comme ça. Un truc. C'est quoi ce son là? Oui, il y a du gros son là. Canon chargeur, non, c'est bon. C'est le boss là? Bon, on verra bien si c'est le boss. Non, pas encore. Bon, je pense qu'on est encore loin là. C'est quoi ce son au fond? C'est le bon chemin là ou c'est le bonus là? Il y a un gros truc. Oh, tu me fais chier. Voilà. Oh non, ça disparaît? Ah, je sais plus. Non, ça a pas l'air de disparaître. Par contre, il y a des pics partout en dessous. Ah, ok. Alors attends. On va préparer le truc avant. Je sais pas, ça pète. Pète à droite, il va falloir aller vite quoi. D'accord, je suis en train de me battre alors que j'ai la vie à fond quoi. Putain. Ah, saleté. Ah bah d'accord. Ah mais là si je change d'écran... Ah, je suis obligé d'aller le chercher quoi. Putain. Va à droite. Quoi? Parce que là c'est le bon chemin à gauche. Ah putain, oui. D'accord, je crois que c'était un chemin ça. Mais non! Ça marche, merci. Oh non. Je suis obligé là, vraiment? Oh. Faire ça, quoi. Ouais, pour plaisir, quoi. Putain, c'est vrai qu'il faut le refaire, le... Faut refaire l'action.
Non, y a pas un secret. Non, non, y a pas de passage. Je m'en occupe. Putain! Oh putain, bas et saut. De quoi ce bois? Mais non, je voulais faire saut et bas attaque, sauf que j'ai fait bas et saut. Et donc ça, tu descends d'une plateforme. Ah mais bon. Sentais triste. Oh ça va. C'est pas parce que tu l'as eu first try le boss que hein. C'est bon. Putain, et là il a pas fait. Oh là là. Bien appuyé hein. Voilà, je le laisse en vie. Ah d'accord. Hop. Putain, je sais pas ce qu'il y a en dessous là. Non, c'est bon. C'était limite ça. Je sais pas si les pics ça one shot. Je vais te dire que oui, mais. Un SP. Il y a pas un petit truc caché là quand même. Non. Ah mais avec son petit saut à la con, il remonte. Ah ça y est. Oh j'ai pris des coups. Mais y a rien. Putain merde. Ah oui. Allez, casse-toi là, tu m'as saoulé. Allez, reste bien là. Y'a rien, putain, ça donne très peu d'SP quand même. Non. Ah, j'en ai un, ça y est. Alors qu'est-ce que tu dis toi? Mon père, le docteur Progen, il a capturé ou tué quasiment tous les membres de notre clan. Il a prétendu que c'était pour mon bien. Mais il m'a abandonné et il a poursuivi son carnage. Pourquoi m'a-t-il laissé ici? J'en sais rien. Ah d'accord, super. Tu t'es pas accroché. Putain mais accroche-toi. Oh, il va être chiant lui. Putain, je l'ai pas eu ça. Oh non, putain, pas lui. Ah, le retour du son bizarre. Putain, je fais de la merde. Mais le truc il s'arrête pas là. Bon, je le laisse. Le petit point de vie, merci.
Oh putain, j'ai pas eu de chance là. J'ai attiré pile poil quand il y avait l'arc électrique. Ça. Ok. Voilà, Ah ouais. Je sais pas si la plateforme ça a l'air de rester assez longtemps quand même. Le SP m'intéresse. Ouais. Ça, ouais, on peut. Ah putain, j'ai pas vu en tout. Ok, SP à fond. Ça se passe. Il y a des portes vertes maintenant. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, alors là, il y a tout. Je vais peut-être souvenir que c'était là, là. Ça me dit quelque chose là, cet écran. Oh putain, je crois que j'y suis. Ah bah super. Ah par contre ouais, je me rappelle pas de tout quoi. Quatre dragons. D'accord, qui fait ça. Putain ouais, je me rappelle plus trop mais je sais que c'est galère. Ah les bulles, si ça je me rappelle. Ah putain, il y avait un ennemi là. Ah d'accord, et puis ça te fonce dessus. C'est pas ce bruit. Ah le retour de midi. Bruinage. Putain, oh, je suis crevé. Ah, ça te donne vachement d'SP par contre, hein. J'ai l'impression qu'ils insistent. Putain, vous voulez pas donner de la vie, hein, hein. Oh putain, c'est un petit ennemi que j'avais pris. Bon bah voilà. Voilà, bon bah pas first try, hein, désolé. Je vais rester là, ouais. Je bruine de ça, là. J'en profite, là, si on a vachement d'SP. J'ai dû enlever carrément la moitié de vie. Enfin, moitié. Il y a deux barres. Ouais, par contre, c'est chaud de l'éviter, hein. Faut pas être trop gourmand, je pense. Merde, ça va être là. Ouais, non, faut pas être gourmand. Tu peux y aller bourrin, mais. Bon, attends, je vais faire ça.
Et donc là, normalement, ça, mon SP va tout le temps être réactivé, quoi. On est bien d'accord. Ah bah GG hein, pour le first try. Hein. Moi je sais que ça, ça va pas être la même chanson, quoi. Je me casse, voilà. Merde, les bulles, putain. Je réagisse aussi. Allez, ramenez-vous les plateformes. Merde, putain. Ça va, je suis trop loin par contre. Loin là. Putain. Ça, faut de la chance aussi pour que les plateformes soient bien positionnées quoi. J'en ai marre de me faire toucher par 6 ennemis de merde. Putain, je crois qu'il venait pour attaquer. Putain, go. Alors, tu fais quoi là? Donnez-moi tout ça. Ah oui. Bon. Bah que dire. Hein. Ah putain, j'ai oublié le bonus, non? Il est là le bonus. J'ai un doute. Oh putain, ça se trouve, j'ai oublié le bonus. Oh merde! Bon bah j'y retournerai de mon côté. Hein. C'est pas clair les bonus. Ah bon, c'est bon maintenant. Putain, ouais, c'est vraiment pas clair du tout les bonus hein, dans ce jeu. Tu sais pas. Terre, eau et feu, ça fait 3 élémentaires. Pas vrai. Qui est devenu le quatrième? Le dragon a dit que le quatrième était censé revenir bientôt, mais je ne vois rien venir. Ouais. J'imagine qu'il ne reste plus qu'à compter sur la sagesse du dragon. Bah, non, non, t'as pas trop exagéré. Bon, après, oui, il faut utiliser le... Ça, quoi. À fond quoi, mais sinon ces patterns, ça se lit bien, faut juste essayer d'être toujours en dessous et puis de se barrer assez vite quoi. Enfin c'est pas fou, ouais, en fait je comprends pas ce... J'ai un peu de mal à comprendre ceux qui ont galéré des heures là-dessus quoi. On peut passer des heures à méditer sans jamais parvenir à entendre l'éthos. Moi j'ai eu le droit à un aller simple, du coup je suis coincé ici, tout comme les autres. Je devrais peut-être me considérer chanceux comparé à tous ceux qui se sont fait attraper par les saintes. Synthétiques, je veux dire. Bon, il y a beaucoup de blabla là. Seul ayant réussi l'épreuve de la forêt pourront recevoir l'entraînement. Ah. L'objectif consiste à atteindre le portail Tori sans se faire attraper. Personne n'avait tenté sa chance depuis une éternité. La tentative pendant la lune sanglante a donc pris tout le monde par surprise. Parler un peu à tout le monde, hein. La raison d'être de notre clan est d'entendre la volonté du dragon de préserver l'équilibre. Putain, merde, j'ai sauté. En périphérie se trouvent les élémentaires, les membres les plus forts de notre clan. Au centre se trouve notre maîtresse, la plus en phase avec le dragon et la plus apte à l'entendre. Bien, bien, allez, on a parlé avec tout le monde. Bon, il y a du lore, hein, c'est bien, mais... voilà, j'ai assez de lore, à vrai dire. Je vais quand même voir s'il y a un petit entraînement, là. Il parlait, là. Hein? Faut éteindre tout ça. Quoi? Boss? Par un cristal? Ah non. Si? Je sais pas, je comprends rien. Oui, ça se pète ça quand même. Dégagez la... C'est un sac à PV là, ce cristal là. Attends, je me fais éclater là. Ouais, ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
truc, faut taper 4000 fois dans le cristal pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est une défense ça, quand il se tapait comme ça, putain mais je prends plein la gueule là. Il y a un intérêt à ce truc ou c'est quoi? D'accord, j'ai plus de SP. C'est obligatoire. J'essaie de les avoir avant qu'ils atteignent le sol. C'est one shot. Je vais suivre les trucs là. Ça. À moins que ce soit timé, je sais pas. Je vois qu'il y a des flammes qui se rapprochent. Ah, c'est bon. C'est stop là. Pourquoi ça continue à apparaître? Allez viens. Saute, j'ai pas fait quelque chose. Je me saoule. Retourne-toi, putain, je fais droite là. Forge de katana. Puissance attaque plus. Ah cool. Bon, c'était chelou hein. Pas le bonus alors. Ah mais si, faut revenir. Ils ont oublié la musique là ou quoi? Il n'y avait plus de place pour les midis suivants. Je déconne, hein. Les musiques sont bien quand même dans le jeu. J'ai pas de soucis là-dessus, hein. Je troll un peu quoi. Bon, la flèche me dit d'aller à gauche. Allez, d'accord, donc on pète les portes vertes maintenant. Écoute là, ça fait quand même assez midi les voix là. Là c'est pas le niveau suivant, là c'est on va bientôt passer à avoir le téléporteur. Je m'arrêterai là quoi. Putain là les guitares là c'est. Mais moi j'adore. De notre rencontre est proche, tu es quasiment arrivé. J'ai attendu si longtemps. Putain, c'était qu'un mini-boss alors le... Ça me saoule. L'autre là qu'on a affronté. Oh la vache. Oh la vache. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai quand même une bonne frappe quoi. Parce que là, je les pète en deux coups là, ce truc qui tourne. Toujours pas là. Ma chambre est juste au-dessus, mais sois prudent, je ne contrôle pas totalement les systèmes de sécurité de ce complexe. Ne sois pas choqué par mon apparence, c'est toujours moi tel que dans tes souvenirs. Comment ça? Ah, je me retapais un boss là? Ah, c'est possible.
Arrête, recule, je sens que je perds le contrôle. Le système de sécurité automatisé est en train de prendre le dessus. Je suis désolé, je dois te paraître inesthétique, mais c'est bien moi. Je voudrais juste que nous soyons réunis. D'accord, donc c'est. Je suis en train de parler à un processeur, quoi. Enfin, un noyau, je sais pas trop. Peux prendre appui là? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, merde, fallait profiter. Quel con. Oui, truc au sol. Putain. C'est horrible. Pourquoi il s'accroche pas? Il y a des trucs bizarres quoi. Non, non, putain, je suis de la merde. J'ai l'impression qu'il pouvait plus s'accrocher au mur de gauche. Ouais, il y a pas mal de boss quand même, hein. C'est quand même agréable quoi. Bon, on peut ça ou quoi? Ouais, ça marche. Vite. J'ai repris le contrôle, quel soulagement. Voilà, cette projection devrait être plus familière, ça te convient-il mieux? Merci. Tu vois, c'est moi la maîtresse du clan, j'espère que tu ne m'as pas oublié. J'ai encore besoin de ton aide, je suis rattaché à cette machine, peux-tu t'approcher? Je me suis fait troller. J'ai pris cher là. Merci. Maîtresse, tout le monde se fait du souci pour vous, mais je sais au fond que moi, de moi, que vous finirez par vous en sortir. Toutes vos constantes vitales semblent normales. C'est plutôt une bonne chose, non? Nous allons découvrir ce qui s'est passé, puis nous vous ferons sortir d'ici. Votre père demandait de l'aide à Hagan, alors ne vous en faites pas, tous ensemble nous pouvons y arriver. Oh, J.O. Mais tout va bien, tu sais. Je peux percevoir l'appel du dragon. Une nouvelle tâche m'a été confiée. Shadow, comme je l'avais prédit. Il est temps que je me mette au travail. Je détecte quelque chose. Son ego frontière fluctue par-delà les limites de sécurité tout comme les saintes. Elle approche du seuil critique. Son essence risque de se dissiper à tout instant. Docteur Progan, placez-la dans l'unité de confinement d'essence de mon laboratoire personnel. Ne restez pas planté là, dépêchez-vous. Ah, c'est lui le robot, mais je sauverai ma fille, quel qu'en soit le prix. Le petit gros, je pensais à lui, et du coup, il va m'en vouloir, lui. Ok, très bien. Bon, est-ce que... J'ai pas eu là, non plus là, de bonus. Leur expérience ont provoqué un déferlement d'essence issu du Lethos. Mon pouvoir a servi à le contenir, mais seulement en partie. Seule notre maîtresse prisonnière serait en mesure d'en rééquilibrer le flux. Ah, le voilà! Repousser le mal. Donc j'ai Apparad, c'est quoi? Vert projectile. Faut tester ça, là. Ah bah non, bah, on fera ça la prochaine fois. Attends, j'ai juste... pour le lore.
Attends, c'est quoi ça? Journal de Hagan, une fusion de noyaux s'est produite, l'alimentation a été coupée. Ce fait, le transfert n'a pu être que partiel. Aucun relevé d'essence, échec de la formation d'un égout. Pourtant, une forme d'activité a été détectée chez le réceptacle. Tour de contrôle désactivé, les synthétiques sont figés sur place. Les secousses provoquées par l'explosion ont tout ravagé, je ne reçois plus rien de la surface. Les champs de confinement sont en train de céder, il faut sortir d'ici. C'est la merde, attends, il est aussi là. De l'essence corrompue, si elle continue à grandir, tout est perdu. Je dois sauver notre maîtresse, elle est notre dernier espoir, mais elle a disparu depuis si longtemps. Ok, bon, bah on a tout fait. Attends, tu me dis que c'est le power-up, là, le bonus du boss. C'est quoi? C'est des parades. Alors, le truc, c'est quoi? Faut aller vers l'avant? Vers projectile? En fait, faut appuyer au tout dernier moment, c'est ça? C'est réflexe, quoi. Et donc là, c'est la suite. Mais bon, on va s'arrêter là pour cette session. Plutôt cool, hein. Franchement, vraiment bien, quoi. Juste tapoter la touche avant de te faire toucher. D'accord. Ah, faut, mais tu peux tapoter, quoi. Ok, donc spamage, quoi. Bon, on verra ça. J'espère m'en souvenir. Mais on fera ça, donc, la prochaine fois. Là, je vais passer vite fait sur la pause.